Voici le guide complet des défis Avatar Chakra du Feu sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'allumer un feu de camp. Donc pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tout le emplacement. Alors ensuite, quand vous êtes prêt dans un feu de camp, vous avez juste à l'allumer une seule fois. Et là, vous terminerez le défi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si le feu s'éteint, il faudra obligatoirement du bois en ressources pour pouvoir l'allumer. Là, j'ai eu de la chance, personne ne l'a utilisé avant moi, donc j'ai pu l'allumer gratuitement, on va dire. Et si vous voulez même le raviver, ça vous coûte 32 bois la première fois. Et je pense qu'après, ça vous coûtera plus, je ne suis pas sûr. Mais là, on va attendre... Non, c'est 30 à chaque fois, 32 bois. Donc là, on va attendre qu'il s'éteigne pour voir combien je dois payer. Donc ouais, c'est 200 de bois pour allumer un feu de camp qui est déjà utilisé. Donc voilà, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement allumer un feu de camp, donc pas le raviver, hein, mais juste l'allumer, et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire des objets ou des structures à des sanctuaires élémentaires. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près d'un sanctuaire. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, quand vous êtes près d'un sanctuaire, vous allez soit devoir détruire des objets, donc des objets, ça peut être des caisses, ça peut être... des vases comme ça, ça peut être tout ce que vous allez pouvoir détruire, c'est compris comme des objets. Ou alors vous détruisez tout simplement les structures, donc les structures ce sont les murs, les plafonds, les sols, etc. Et dès que vous aurez détruit 5 objets ou 5 structures, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer un adversaire dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un adversaire dans 5 parties différentes. Et dès que ce sera fait, ben là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance sur le train. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous mettre dans le train. Et là, donc le train il est indiqué par ce petit logo hein, que vous voyez très clairement sur la map. Il fait le tour. Et là, ce que vous allez devoir faire quand vous êtes dans le train, c'est tout simplement attendre. Et dès que vous aurez parcouru 500 mètres en étant dans le train, bah là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire une charrette de choux avec la maîtrise de feu. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Ou alors à la limite, vous pouvez vous rendre en dessous de Snoopy Step à cet emplacement-là. Aux deux emplacements que je viens de vous montrer, vous allez trouver des sanctuaires de feu. Donc vous avez juste à fouiller le sanctuaire, à récupérer la maîtrise de feu et ensuite vous allez devoir détruire une charrette de choux. Alors pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver cette charrette. Donc, par exemple, moi j'ai été au-dessus de Rebel Roost, juste ici. Et ensuite, vous avez juste à la détruire avec le pouvoir du feu. Donc, vous faites ça, vous la détruisez, et dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec la maîtrise du feu. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver la maîtrise du feu que vous allez pouvoir trouver dans des sanctuaires ou dans des coffres ou même posé au sol comme ça sur Fortnite. Et ensuite, quand vous avez le pouvoir du feu, là, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Et vous allez devoir infliger un total de 1000 de dégâts pour terminer le défi. Et dès que ce sera fait, bah là, vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCD.